Bonjour à tous, conseil du jour au niveau des perturbations de l'épaule. Donc dès que l'épaule, vous allez avoir des problèmes pour la lever, des épaules qui sont parfois enflées. Alors sur le tuto, on vous conseille trois points majeurs parce que toutes les épaules qui viennent en perturbation se verrouillent un petit peu sur l'intérieur. Et à ce moment-là, on vient sur trois points qui sont postérieurs. Donc il y a un point ici au niveau du grand rond. On va retrouver un point sur le sous-épineux, donc vous pouvez tester. Parfois, vous pouvez tester le sous-épineux qui est aussi lui aussi tout douloureux. Donc vous testez l'un et l'autre. Et puis on a un point antérieur au niveau de l'acromion. Donc là, si ce point est douloureux, vous le patchez. Donc c'est les trois points que vous retrouvez sur le tuto. Il arrive que l'épaule étant plutôt gonflée, il va y avoir des douleurs sur les côtés comme ça, en latéralité de l'épaule. Donc là, on peut venir patcher directement la latéralité sur la zone perturbé, ou parfois, notamment quand on lève le bras, on va se retrouver avec des tensions postérieures au niveau du bras. Et là, il faut venir sur le muscle deltoïde postérieur qui se trouve ici. Donc, suivez le tuto, puis en fonction des perturbations donc de l'épaule, des gonflements, voire des œdèmes au niveau de l'épaule, eh bien, vous allez venir de manière antérieure ou latérale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un mail à santé@teamcareonline.com. Nous vous répondrons.